Chose promise, chose due, le comité d'organisation du Massa 2014 et ses partenaires ont tenu parole. Peace Square, la tête d'affiche du concert d'ouverture de la 8e édition du marché des arts du spectacle africain, est en Côte d'Ivoire. Peter et Paul Okoye, les frères jumeaux, les deux superstars nigérianes au sommet des hits africains et internationaux, ont humé l'air abidjanais ce vendredi 28 février à 15h. Accompagnés de tout l'orchestre, ils ont été accueillis au salon d'honneur de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Abidjan va donc vibrer au son de l'afropop, un mélange de dancehall, de R&B et de rythmes africains qui font le charme de ce jeune, mais déjà mythique groupe. Il y a une grande cérémonie d'ouverture, une grande cérémonie de clôture. La cérémonie d'ouverture donc se fera au stade Houphouët-Boigny. Et la cérémonie de clôture se fera normalement au Parc des Sports. Dès le dimanche, nous avons les patrons en live au Palais de la Culture. Le lundi, nous allons avoir John Yale en live. Le mardi, nous allons avoir Kofi Olomide. Le mercredi, nous avons Mewé. Le jeudi, vous allez avoir le retour en Côte d'Ivoire avec Kimon de Ramsès, Baïs Pinto. Le vendredi, vous avez la soirée des dames. Et le samedi, vous avez Alpha Blondie et DJ Arafat. C'est une grosse tête d'affiche. Et à côté de cela, vous avez les meilleures troupes de théâtre, les meilleures troupes de danse contemporaine, les meilleurs ballets et les chorales qui viennent de partout. D'Afrique du Sud, d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest. C'est l'Afrique qui va vivre une semaine de bonne ambiance musicale, voilà, sur les plateaux de la Côte d'Ivoire. C'est ici, au stade Félix Houphouët-Boigny, qu'ils se produiront. Ce samedi 1er mars à partir de 16h, Peace Square, en compagnie d'autres sommités de la musique africaine, Magic System et Salif Keïta.